Bonjour à toutes et à tous. Je suis la fondatrice d'Iconex Blue City. Iconex Blue City, que je dirige d'ailleurs, est basée donc, notamment sur du numérique, un numérique créatif. Pour créer, il nous faut un numérique libre. Bien entendu, ça exige quand même de faire attention à certaines choses, hein, c'est-à-dire pas s'introduire dans des bases de données extérieures, ni ne pas détourner des données ou utiliser la mauvaise gestion des données extérieures. On va s'introduire avec prouver des gens, évidemment. Donc, nous exigeons la même chose de nos prospects, enfin nos clients, d'ailleurs. En ce qui concerne l'exigence de vérité, parce que j'aime la vérité d'ailleurs, j'aime le parler vrai d'ailleurs. Et en ce qui concerne le parler vrai, c'est ceci, et c'est une double exigence en fait, c'est bien sûr toujours lié à ce qu'on appelle l'honnêteté d'ailleurs. L'honnêteté d'esprit et l'honnêteté de cœur. Ce que j'aime chez les parents, bon, je suis quand même pragmatique, donc comme l'était un certain ingénieur de 2014, bien connu, qui s'appelle Vauban. Qui Vauban était un homme pragmatique, bien que gentilhomme, il était assez proche du peuple, voyez-vous. Et il était, c'est quelqu'un qui disait sa façon de penser, tout en temps clair, parce qu'il était bien dur, comme moi d'ailleurs. Vauban n'avait pas sa langue dans sa poche. C'était quelqu'un de franc, de caractère, hein, sincère, direct. Et Louis XIV recevait ses lettres et appréciait Vauban justement parce qu'il était franc et direct, sincère. Ce n'était pas un courtisan. C'est vrai que moi je ne suis pas lèche-botte, même si je chante bien les phrases, on sait bien que je suis très pragmatique aussi. Ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent. Xbox City est derrière tout le monde, soutient aussi depuis le début, nous soutenons donc les libertés, parce que la liberté de pouvoir circuler, venir, agir, choisir son traitement, penser, parce que ça c'est crucial, hein, non? Et c'est ce qui est plus important quoi, dans la vie. Hein, la vie c'est ça, c'est être un être humain. Si vous n'avez pas d'émotion, vous ne vivez pas, vous n'êtes pas un être humain. Bon, ça vit, ça pense, ça réfléchit, ça. Bon, si on est dans une machine, c'est ce qu'on existe, c'est ce qu'on voudrait peut-être qu'on devienne. Mais bon, moi, je ne suis pas encore là, donc. Et je n'ai pas envie de l'être, ni de le devenir, d'ailleurs. Donc, voilà. Ce que je vois, c'est que vous avez tous et toutes dans l'esprit de tenir, parce que c'est pas évident, je sais que tenir bon, c'est difficile. Je suis une petite nièce de résistant, donc une petite fille de prisonnier de guerre, donc je connais très bien que le problème, donc je peux vous dire que c'est pas facile. Ces gens-là, ils ont le mérite de tenir, mais bon. Ce qu'ils m'ont transmis, c'est cette volonté de tenir, quoi. Donc je voudrais bien que vous teniez aussi, et voilà. Bon courage à toutes et à tous, et puis à plus.